C'est Revan et aujourd'hui on se retrouve sur Ghost Song, un jeu qui est sur le Game Pass. Je ne sais pas ce que c'est, on va bien voir. J'ai juste eu le temps de paramétrer les pour qu'il y ait le son un peu. Voilà, que vous m'entendiez bien. Donc voilà, bah découverte totale, hein, en avant-guingant. Ça se dit encore ça? C'est pas une expression un peu de vieux, en avant-guingant? Je ne sais pas, mais bref. Merci le Game Pass, c'est magnifique. Original, le jeu tel qu'il a été conçu à la base, il représente un défi. Vous recevez une récompense supplémentaire en terminant le jeu, d'accord? Si vous jouez beaucoup, choisissez ce mode. Ouais, bon, histoire. Comment réduire les pénalités lorsque vous mourrez, vous perdez moins de nanogel, et de nécro, et de la nécro-armure ne subit pas de dégâts permanents. Il y a également d'autres ajustements qui rendent le mode plus facile. Le jeu peut encore être difficile par endroits, mais les échecs sont moins punitifs. Si vous avez des doutes, choisissez ce mode. On va faire un original, voilà. Est-ce que le jeu va m'accrocher pour que je le finisse, hein, pour que j'aille très loin? Je ne sais pas. Et je me tais, je vous laisse apprécier les cinématiques. Les cinématiques. Ah, j'ai du mal à parler. Ne vous en faites pas, tout va bien. Ça va, vous? La nécro-armure. Elle est restée inerte pendant bien des années. Mais aujourd'hui, quelque chose s'agite en elle. Et j'aime quand ça s'agite. Quelque chose de nouveau. Mais quoi? Mais qui? Lupoto. Oh, ça fait penser à Liputu. Lupoto. Vous croyez que c'est une rêve? Dead suit, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. On voit ma barre de vie en haut. Très bien. Oh, je sais pas, moi je vais sur la droite, hein. Ok, d'accord. D'accord, on a un coup comme ça, on peut sauter. Et je peux viser, d'accord, mais je peux pas bouger, d'accord. Hop, je teste les boutons. Ok. Eh, ça me... Ah, il y a de l'endurance. Regardez, ça me fait une barre d'endurance. Il faut que je reste... D'accord. Une sorte de barre d'endurance. Et je me fatigue, d'accord. Très bien, très bien. Oh non, putain, dites-moi pas que c'est mon cauchemar, les Metroidvania. Non. Ah oui. Tirer. Ah, c'est pour me remettre de la vie, c'est ça? Je ne sais pas. D'accord, mais faut assister. Il y a de l'assistana à faire, hein, pour casser les trucs, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on est limité en munitions? J'ai pas l'impression. Hein, pour utiliser le stick gauche pour viser. D'accord, ok. Là, on est vraiment dans le tutoriel. Hein. Heureusement que j'ai la curiosité de vouloir regarder. Et puis appuyer sur toutes les touches. Est-ce que c'est des ennemis, ça? Je ne sais pas. On leur... Ouais, donc il y a des points de dégâts. Donc, ouais, c'est un système... Metroidvania, hein, encore une fois de plus. Hop, 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 hop. Moi, c'est pour... J'aime pas trop les Metroidvania parce que... comment dire? Comment vous expliquer ça? Eh ben, je me perds souvent. Mais bon, c'est demain. Franchement, c'est toi. Moi, comme je suis du genre à grignoter les jeux vidéo et pas aller faire tout d'un coup, eh ben, j'ai tendance à... comment dire? Tu vois, quand tu reviens une semaine après, un mois après... bon. Compliqué. Vérifier. Ouvrez le menu de statut et accéder à l'onglet carte. Ouais, c'est Metroid, là, quoi. Il y a un truc à faire là-bas. Allez, sur Louputou. Oui, bah d'accord. Il n'y a pas un raccourci pour la carte? J'appuie sur la gauche, ça fait un bruit bizarre. La droite aussi, à mon avis, peut-être pour changer d'arme, quand j'en aurai d'autres. Ok.
Ouais, non, mais vas-y! Mais c'est quoi ces secrets à la mort, le moine à l'œil là? Oh là là, comment j'aurais pu trouver ça? Je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle une nécrosoute? Est-ce que j'ai de la magie au bout des pieds? Ça m'a fait flipper, je croyais que c'était des bestioles. En fait, non, c'était pas du tout. Ah, on voit le canon rougir. Bonjour. Manière d'enfoncer X pour retirer. Attends, quoi? Pour tirer à plusieurs reprises. Ah, d'accord, c'est des ennemis. On peut même pas engager le dialogue. Et bah, quel dommage. Bon, je ne sais pas ce que je ramasse là, les pièces jaunes, les pièces vertes. Il meurt pas en fait. C'est ça? Ah si si si. Bah là, alors là, je les coupe en deux. Je ne sais pas comment il pourrait revenir à la vie, à moins qu'il ait pop derrière moi. Ça veut dire qu'il y a un zombie qui va arriver. Ah, je peux pas trop regarder en bas. Attends, est-ce que je peux afficher la carte? Ouais, d'accord. Ça m'a fait flipper. Oh. Ok, donc j'y suis pas encore. Mais écoutez, hein, explorons, explorons, hein. Hop. Ok, le jeu est plutôt propre. La vache. Je lui fais pas de dégâts ou bien... Juste le fait qu'il y a de la surchauffe et tout, c'est un peu pénible. Je vous l'avouerai. Mais bon, c'est pas bien grave. Je peux y arriver. Je lui fais... Oh putain, oh la vache! Le temps qu'il a fallu pour les tuer. Allô? Ah d'accord, attends. Ça se recharge, ne vous en faites pas. Je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Voilà, parfait. Eh ben merci, c'est sympa. Bon, et si je continue plutôt mon exploration, hop. Appuie, attends, vous pouvez attaquer au corps à corps en appuyant sur B. On recule! Est-ce que ça fait plus de dégâts à la tête? Ouais, j'ai l'impression, hein. Attention, attention, restons prudents, restons prudents. Voilà, oui, donc il y a bien un système de visée. Système de, comment dire, en fonction de là où on est. Plus de dégâts. Je fuis. Ne vous en faites pas, coucou. Salut, vous me reconnaissez? Désolé de vous buter, hein, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes originaire de la planète ou pas? En tout cas, là-bas, il y a un truc. Quoi ça, c'est une machine? À mon avis, je pourrais sûrement, y aura sûrement un moyen de voler ou un truc comme ça pour que je puisse partir dans les hauteurs de l'infini, l'au-delà. Regardons la carte. Ouais, faut vraiment. On va avancer, on va avancer. Pour l'instant, je vais suivre le scénario. Il y a un truc qui brille. Allons-y. Le jeu est plutôt beau. Oh putain! Il m'a fait flipper. Ah, désolé, hein. Encore une fois, je ne sais même pas si c'est des habitants. J'ai l'impression que je suis nécro-souté, qu'ils ont les nécro-soutes comme moi. Vagabonde belle. Quoi, comment ça, vagabonde belle? Belle, la vagabonde. Quoi, c'est un boss? Yop là. Ça a l'air d'être un boss, effectivement. Ah, désolé, belle. Noyau de soin. Vous pouvez récupérer de la santé, les charges sont affichées au-dessus. D'accord, j'en avais une. Ok, d'accord. Et donc, du coup, je ne peux pas monter plus haut. Il y a peut-être un truc. Bonjour.
Attends, c'est quoi qui me fait des dégâts là? Non, je ne peux pas monter, à moins que je sois trop con, hein, mais... Non, sûrement... alors, je suis peut-être... Il n'y a pas de système d'accroche ou quoi que ce soit pour l'instant. Bah écoutez, pas le choix. Les chemins les plus courts ne sont pas forcément les plus... les plus courts, justement, hein. Ça c'est un truc de jeu vidéo en général. Hein. Ah, je peux me baisser. Est-ce que je peux tirer? Non, je crois pas. Bon, bah, il n'y a plus qu'un endroit où aller. J'ai pas les mobs, ils réapparaissent pas apparemment. Non, ils réapparaissent pas. Bon, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Oh! D'accord, c'est une habitation humaine. L'endroit où aller. Je sais même pas qui c'est. Bonjour. Oui, tu me laisses entrer? Non, j'ai pas l'impression qu'il veut me laisser. À zéro. Non, j'ai pas l'impression que je puisse rentrer. Bon, très bien. Norberg Laboratory. Ok, d'accord. Bien ce que j'imaginais. Enfin, c'est bien ce que j'ai. Ce que je disais. Donc, Metroidvania, d'accord. Ok, je suis pas friand de ce jeu. Ce genre de jeu, hein. Mais c'est personnel. C'est personnel. Voilà. Pour l'instant, on a rien vu, pas les autres âmes. Bonjour. Puissance de feu, niveau suivant. Détermination. Ah, hey, on a les stats. D'accord. Alors, puissance de feu. Dégâts infligés par les armes. D'accord. Vigueur, votre santé. Puissance de feu. Oui. Et comment on accepte? D'accord. Détermination, l'énergie, l'endurance et les PV. Attends. Ah, on peut sauvegarder, d'accord, j'avais même pas vu. D'accord, et la plante, je sais pas, ça me fait revue, d'accord. C'est intéressant le système de sauvegarde, original, intéressant. D'accord, très bien. Est-ce que les septiparles nous mènent à des points de sauvegarde? Oui, c'est moi. Attends, si je lui donne un coup pour voir. Non, ça a pas l'air de marcher. Peut-être qu'il faut une arme spéciale, hein. Ah, je ne sais pas.
Non, bon bah écoutez, tant pis hein. Très bien, très bien. Non, y a rien, y a rien. Bon bah écoutez. Hein. Oh. Je tue les petits mobs. Parce que j'ai aucune race. Et approche-toi mon chou. Ah, et désolé. D'accord, donc ils réapparaissent quand même quand tu... dans la zone. Ok. Ah, parce que peut-être parce que j'ai sauvegardé, c'est à la Dark Souls. D'accord. D'accord, ça a Dark Soulisé ça. Il faut faire attention au chauffement du canon. Chauffage. Attention au chauffage, hein. C'est tout à propos. Ok, d'accord. Là, je suis en train de les décimer, les gars. Voilà, lui s'est réveillé, d'accord. Mais comment je monte? En plus, ça... Ouais, clairement, hein, faut que je passe, hein, mais... Faut clairement que je passe, mais là, j'ai aucun moyen, quoi. Là, j'ai descendu, il y a un point de sauvegarde. Je pourrais descendre en bas, mais je ne vois pas comment. Je n'ai pas compris. Peut-être suis-je trop con. Peut-être avez-vous la solution. Là, je peux pas m'agripper. Et ça ne saute pas assez haut. J'ai pas de double saut pour l'instant. Écoutez, on va retourner en arrière. Hein. Voir ce que ça donne. Attends. Non, j'ai cru que je pouvais prendre... je croyais que c'était un objet à prendre, mais non. Pourquoi j'aime bien, petite musique apaisante, tu vois, tranquillement, d'exploration. Pas du gros bourrinage pour tes oreilles, t'explores tranquillement. Donc voilà. Non, après bon, il faut aimer les Metroidvania, les trucs comme ça et tout. Mais ça m'a l'air très bien. Ça va être très bon en tout cas. Pour la proposition. Tu vois, c'est en plus il y a une sorte de, d'aspect Dark Souls. Avec les feux de camp. Et là je peux aller en arrière, d'accord. Non, j'aurais cru, mais en fait non. Voilà, parfait. Non, je croyais qu'ils allaient m'attaquer, mais en fait non, donc tout va bien. Je vais aller faire un tour en arrière, hein, et puis... Des fois, quand tu sais pas, un peu de backtracking. Oh, c'est qui, ça? Une bonne question. Bah alors. Attends, est-ce que je peux éclater les branches, là? On va voir ça. Non, j'avais cru, mais en fait, j'ai mal cru. Oh là 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 là. À moi et la plateforme, ça fait 12, hein. Hop. Non, bah j'ai cru, mais en fait, ouais, j'ai mal cru, c'est ce que je disais. Donc voilà, moi je me suis réveillé ici. Ah non, je me suis pas réveillé ici. Alors, je suis descendu ici. Je me suis réveillé plutôt un peu plus loin là, voilà. Ok, bah allons à l'arrière du coup, hein, vu qu'elle est explorée, hein. Est-ce que ce sera plus fructifiant? À moins que j'ai pas le niveau, c'est possible aussi, hein. Il y en a un autre qui s'est écrasé, mais il est complètement mort.
C'est une sorte de fantôme. Qu'est-ce que c'est que ce simagré encore? Oula. Oh putain, comment je me protège de ça? Ah putain, mais comment je me protège de ça en fait? Sorte de boss et tout, d'accord, mais comment je me protège de ça? D'accord, je reprends d'ici, j'ai perdu mon argent. J'imagine qu'il va falloir que j'aille là-bas. Ok, pour récupérer l'argent que j'ai eu. Il faut que je devienne plus forte. D'accord, très bien, très bien. Bah, ça se Dark Souls. Ah, mais putain, j'avais. Ah, ouais! Oh putain, la vache, d'accord! J'avais absolument pas vu ça là, lors de mon premier passage. D'accord, eh ben, il fallait me le dire, voyons! Oh là 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 là. J'ai bien fait de mourir! Mourir parfois, ça a du bon! Hop. Bon, je suis pas encore assez costaud pour l'autre. Hop. Aïe 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 ouille. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh le danger. Ah là j'avoue j'ai paniqué. Comme un paniquant. Un paniqueur sachant paniquer paniquant. Hop. Désolé de vous tuer. C'est pour la bonne cause. Voilà. Je suis en train de... Parfait, viens par ici. Désolé mon gros. Je ne louperai aucun. Je ne louperai rien. Voilà, je prends tout évidemment. Tac. Yep. Eh ben désolé mon ch'ti pépère. Tu me rapportes des points de. Est-ce que vous connaissiez les points de. Peut-être des trucs cachés ici, mais je ne sais pas. À gauche. Ah, la voile me dit là-bas. Petit pot de nanogel. Bon. Et si je suivais plutôt le fantôme? Que je peux seulement sauter assez haut. Oh putain la vache! Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ouh là là! Vite! Oh putain la vache! Là ça se complexifie. Ouh là 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 là! Ceux qui font des dégâts ces bâtards! Oh là 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 là! Oh l'enfer! L'enfer d'un homme! Oh putain, cet enfer! Je ne suis pas assez doué! Aïe, aïe. Bah écoutez, moi on va se laisser là. Hein. Vous avez pu voir un peu, c'est vraiment une découverte découvrante hein, de Ghost Song. Donc voilà, pour qui aime les jeux à tryhard, hein, vous avez vu. Hein, ça demande quand même une légère dextérité, si je puis dire. Puis après, c'est un Metroidvania, Metroidvania RPG, j'allais dire. Oui, Metroid plus Castlevania égale Metroidvania. Voilà. Voilà, alors moi je suis pas friand de ce genre de jeu, des Metroidvania je vous dirais. Mais de ce que je vois là pour l'instant, bon c'est plutôt intéressant. Il y a plus le côté Metroid moi je trouve avec bon l'arme canon, tout ça et tout. Mais là d'être un univers enchanteur. Mais voilà, pas mal ce Ghost Song pour qui aime ce genre de jeu. Sincèrement, de ce que je suis en train de voir là, ça peut être vraiment pas mal. Après faut aimer cette ambiance science-fiction, tout ça. Donc voilà. Mais si vous aimez, moi je. Ouais, de ce que je vois là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bonne proposition. J'aime beaucoup la DA aussi. Là, tu sens que t'es dans un autre monde et tout. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, hein, pour les 20 premières minutes que je viens de faire, ça va, ça passe. À voir sur la longueur, hein, les armes qu'on aura par la suite, tout ça, tout ça.
Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Je vous invite à aller voir mes playlists si ça vous intéresse ce que je fais, à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu, et moi je vous dis, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie, et à bientôt sur le réseau. Allez, ciao, ciao.